Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien, car c'est Nas06 pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle vidéo critique sur Norman. Norman, t'aurais pas pu trouver plus original ? Norman, là, le youtubeur, là, le grand youtubeur, 10 millions d'abonnés, c'est ça ? Et oui, Norman, le youtubeur a 10 millions d'abonnés exactement. Donc je vais vous dire les critiques, c'est pas moi qui vais les faire. Je vais vous dire les critiques que j'ai entendues parce que je l'aime bien ce youtubeur. Je suis abonné, j'ai cliqué sur la cloche. J'attends avec impatience chaque vidéo. Ouais, mais bon, Norman, il a pas beaucoup de talent, franchement. Ouais, Norman, il fait pas rire, franchement, c'est pas, il a pas un excellent humour. C'est surtout parce que c'était un des premiers youtubeurs, c'est pour ça qu'il a plein d'abonnés. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il a pas de talent, Norman. Aucun talent, il ne fait pas rire ces vidéos là, il est à la maison, la. Eh ben, je vais le défendre, je vais me faire l'avocat du diable. Donc franchement, quant à ceux qui disent il fait pas trop rire, il a pas trop d'humour, en fait c'est un humour troisième degré, c'est un humour décalé, c'est un humour subtil, même s'il fait le bébête dans ces vidéos là. C'est un humour subtil. Et puis vous n'avez qu'à regarder cette dernière vidéo. Il fait beaucoup de montage, de mise en scène, la vidéo dans la forêt, la vidéo pour ses 10 000 abonnés. C'est carrément des productions hollywoodiennes. On est loin du Norman qui était dans sa chambre là. Puis c'est un humour subtil. C'est pas un humour où je vais m'éclater de rire. C'est un rire intérieur quoi. C'est un petit humour. Ça donne le petit sourire quoi, tu vois. Mais là il fait des bonnes vidéos là en ce moment, franchement, avec des montages, tout ça. Il en fait une par semaine ou une tous les 15 jours. Puis si c'était si nul que ça, ben tous les gens ils se seraient désabonnés, se seraient abonnés aux nouvelles chaînes, bien évidemment. D'ailleurs je pense que s'il a réussi, c'est parce qu'il a un humour original, subtil, qui est différent des autres humours, franchement. Après ouais, quand il fait les vidéos à la maison, il y a quelques vidéos, voilà, elles étaient pas terribles quoi. Franchement, il fait pas que des bonnes vidéos, mais là sur ses dernières vidéos, il a tout défoncé. Il va donc continuer à le critiquer. Franchement, je pense que c'est ça qui le motive quoi. T'as pas 10 millions d'abonnés comme ça par hasard. Il a quelque chose, il a un petit quelque chose. Moi je le défends, franchement. Je fais une vidéo critique où je défends les youtubeurs qui se font critiquer. Après voilà, s'il avait énormément de talent, il aurait été voilà, il aurait pu être contacté par des équipes de TV, mais il se contente bien de son statut à 10 millions d'abonnés quoi. Il doit vivre de ça forcément quoi. Donc voilà, moi je vais rester abonné à sa chaîne. J'attends ses vidéos, et de vidéo en vidéo là il s'améliore ces derniers temps. Beaucoup de montage, des effets spéciaux, des fonds verts, des ceci, des cela. Donc je trouve que c'est une bonne petite chaîne normale. Je vous la conseille si vous voulez rigoler un peu de temps en temps quoi. Rire interne évidemment quoi. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça porte bonheur. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. C'était Nas06. Tchuss. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, mais bon, Norman. Je vais le défendre. Je me fais. Oh!